J'ai commencé à recevoir certains messages. Peut-être la personne qui a envoyé les messages, qui continue encore à envoyer les messages, peut-être que ce message tombera dans ses oreilles. Alléluia. Et la personne envoyait des messages et disait certaines choses dans le message que je ne peux pas vous dire. Alléluia. Des choses malsaintes que je ne peux pas vous dire. Des choses qui ne sont pas vraies que la personne est en train de dire. Bon, lui-même sait là où il a trouvé ces choses. Mais je vais vous dire que, et à cette personne que, et aux enfants de Dieu qui m'écoutent que, ne pas prendre part à ces choses. Peut-être que ce message que cette personne a envoyé, peut-être elle l'a déjà envoyé à certains endroits. Peut-être ces messages vous sont parvenus. Peut-être que vous avez déjà reçu ces messages dans vos boîtes à messagerie. Peut-être il vous l'a déjà envoyé. Certainement, comme il m'a envoyé le message, peut-être il peut l'envoyer à certaines personnes et certaines personnes peuvent déjà commencer à faire circuler le message à leurs proches. Ça, c'est pas ça qui me dérange. Mais ce qui me dérange, c'est toi, mon frère et ma sœur, de ne pas croire, je viens de le dire, de ne pas croire à certaines choses et de commencer à faire certaines choses sans au préalable demander à la personne de qui on te parle. La première des choses, c'est appeler la personne. Je viens d'écouter ceci te concernant. Il y a certaines choses, même quand tu écoutes ces choses, tu dis catégoriquement non. Mais si tu veux savoir ce qui concerne un cas ou tel cas, appelle la personne concernée. Va vers lui. Pose-lui la question. Pas pour la merder, mais comme tu es dérangé, alors pose-lui la question et demande-lui. J'ai écouté telle chose te concernant. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Ou bien les gens disent telle chose. Si c'est moi, viens vers moi. Peut-être certains vont dire non. Tu n'es pas notre Dieu. Tu n'es pas mon Dieu pour me dire que c'est vrai. Je ne suis pas ton Dieu. Mais moi, je dis que si tu as écouté certaines choses, mais concernant, viens vers moi. Moi, je t'appelle. Moi, je vous appelle. Venez vers moi. Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas mon Dieu, mais venez vers moi. C'est mieux que de commencer à propager quelque chose qui n'est pas vrai. Je vous dis que quelque chose est arrivé et que beaucoup de gens ont abandonné la foi. Je ne sais pas ce qui est arrivé, sinon j'allais vous dire ce qui est exactement arrivé. Mais je sais que quelque chose est arrivé. Et que tous les enfants de Dieu dans le monde ont abandonné. J'ai dit abandonné. Je ne sais pas. C'est pourquoi je passe au travers de ce message pour te dire de faire attention de tout ce que tu écoutes, de tout message qui te parvient, de commencer à croire, de commencer à dire certaines choses, de commencer à suivre ses ailes pour te détruire pour un gros rien. Alléluia. Les gens veulent que vous soyez zélés pour eux. Alléluia. Alors faites attention. Comme je viens de le dire dans Lévitique 19, verset 17 à 18. Alléluia. Ne péris pas à cause du péché de quelqu'un. Lisons Marc 7, verset 21 à 23. Alléluia. Ézéchiel 18, verset 20. Alléluia. Lisons ces messages. Marc 7, verset 21 à 23. Ézéchiel 18, verset 20. Celui qui pêche, tu dois aller vers lui et lui parler. Si tu ne le parles pas et tu commences à le dire ou bien à dire aux gens de le quitter, c'est encore plus pire. Toi, tu es encore plus pire que le diable. Parce que Dieu t'envoie vers les pécheurs. Dieu t'envoie vers les gens pour sonner la trompette. Et si toi, tu ne t'en vas pas vers la personne et tu commences à dire aux gens de quitter la personne, tu es plus pire que le diable.
tu t'élèves catégoriquement contre la volonté de Dieu. Tu t'élèves catégoriquement contre la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est très important. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'on ne peut pas se réconcilier. Lisons Philippiens 1, verset 15. Philippiens 1, verset 15. Philippiens 1, verset 15. Philippiens 1, 15. Je l'ai parlé du nom tout-puissant du Saint Jésus-Christ. Arrête. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ce que vous dites, est-ce que les messages que vous distribuez entre vous, est-ce que ce que vous dites entre vous, est-ce que cela va conduire les gens à la vie éternelle? Est-ce que ça sauvera les gens? Bien-aimé, c'est maintenant le moment. Je ne sais pas d'où tu viens. Peut-être toi, tu viens de la Belgique. Peut-être tu viens de la France. Peut-être tu viens d'Italie. Peut-être tu viens d'Atakamé, de Thon, de Vaughan, de Tablebo, d'Akosso. Je ne sais même pas d'où tu viens. Je vais te dire quelque chose. Ce temps que tu prends à faire de telles bêtises, je prie pour toi afin que tu prennes ce temps à aller vers ta famille, à aller vers tes connaissances, à aller vers ceux que tu ne connais même pas, hein, à aller vers les gens qui sont dans les ténèbres et à leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, ces messages que vous envoyez aux gens ne vont pas les conduire à Jésus-Christ. Vous devez savoir que vous combattez l'évangile. Alléluia. Vous combattez la vérité. Alléluia. Même si c'est un pécheur, même si c'est un renégat, même si c'est un charlatan qui fait quelque chose ou bien qui agit d'une manière ou d'une autre qui n'est pas bon, nous avons entendu ce que Michée avait dit. Alléluia. Peu importe là où la personne est. Michée dit que l'Éternel fera sortir des ténèbres. Alors si nous disons aux gens, au lieu d'aller vers les gens, leur parler, discuter avec eux. Je viens de vous parler de la Belgique. Que si vous cherchez la patience, hein, vous cherchez la patience, allez en Belgique, allez voir le gouverneur belge. Ils ont 10 gouvernements. Et chaque gouvernement a ses institutions. Chaque gouvernement a sa police. Chaque gouvernement a son armée. Chaque gouvernement a sa commune. Chaque gouvernement a ses institutions et toutes choses. Chaque gouvernement a ses lois. Mais ils arrivent quand même à vivre ensemble. Or que nous avons seulement un seul gouvernement. Et il est difficile pour nous de nous entendre. Et voilà, on se lève, on dit certaines choses, on commence à chanter certaines choses, on commence à dire certaines choses, tout juste pour égarer les gens. Bien-aimé, si tu es un démon en chair, je ne sais pas d'où tu viens, je vais te dire que les démons en chair vont te suivre. Les légions vont te suivre, mais pas les enfants de Dieu. Tes sœurs, tes frères démons qui te connaissent vont te suivre. Mais aux enfants de Dieu, prenez garde et soyez solides. Alléluia. Prenez garde. Prenez garde. Faites attention de tout ce que vous récoltez, de tout ce que vous prenez. Et avec tous ceux qui vous traitez, tous ceux avec qui vous collaborez, faites très très attention. Si vous voulez perdre vos âmes, alors allez-y. Mais si vous voulez sauver vos âmes, alors méfiez-vous. Matthieu 7, verset 1 à 5. Lisons Matthieu 7, verset 1 à 5. Lisons aussi Jean 8, verset 7 à 11. Lisons 2 Corinthiens 5, verset 11 à 21. Alléluia. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 22. Lisons 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 à 21. J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia, bien-aimés. La parole de la réconciliation. Regardez comment est-ce que Dieu nous a réconciliés avec Dieu a passé par Christ pour nous réconcilier avec lui, avec lui. Dieu, la parole de la réconciliation dont la Bible parle ici.
Avons-nous cette parole de réconciliation? As-tu cette parole de réconciliation en toi? Et si nous avons cette parole de réconciliation en nous, que faisons-nous avec cette parole de réconciliation? Pourrons-nous utiliser cette parole de réconciliation pour diviser? Alléluia. Dieu nous appelle à rassembler les gens avec lui. À assembler les gens avec lui. Alléluia. Alors si nous divisons, si nous appelons les gens à partir, partez, il est perdu. Oh, ne l'écoutez plus, il est perdu. Il est ceci. Faisons-nous la volonté de Dieu. Alléluia. Faisons-nous la volonté de Dieu. Alléluia. Venons. Venons. Alléluia. Approchons-nous les uns des autres. Comme je viens de le dire dès le début. Et parlons ensemble. S'il y a un point qui est obscur, s'il y a un point qui est un peu difficile pour nous, attendons-nous entre nous. Réconcilions-nous entre nous. C'est pourquoi je dis que je ne suis pas ici pour insulter, pour brader des menaces, pour faire quoi que ce soit. Non. Alléluia. Moi, je sais que je suis exposé au feu. Alléluia. Je suis exposé au feu. Peu importe ce qui va arriver, allons-y. Les injures, j'en ai assez. Les moqueries, j'en ai assez. Au moment où je vous parle même, j'en ai assez. Allons juste tout doucement. C'est la fin qui justifie les moyens. Alléluia. C'est pas ce que toi tu dis aujourd'hui qui est quelque chose. C'est pas ce que tu dis, ce que tu penses aujourd'hui qui est quelque chose. C'est pas ce que toi tu dis contre ton frère, ton voisin, ton prochain qui est quelque chose. Mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot dans la vie de la personne. C'est pas toi qui a le dernier mot. Et tu dois savoir que avant d'aller au ciel, c'est pas quelque chose qu'on fabrique sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous parle de prédestiné. Tu es déjà connu par Dieu avant même que tu ne viennes sur cette terre. Alors c'est pas ici qu'on se bat. C'est pas seulement ici qu'on se bat. Et c'est pas toi qui donne aux gens l'accès au ciel. C'est Dieu qui le fait. Et tu peux pas dire à Dieu pourquoi tu le fais. Mais pourquoi l'as-tu fait? Alléluia. La personne m'a envoyé des messages que j'ai lus. Et quand tu lis ces messages, tu penseras que cette personne est en train de t'élever ou bien de veut t'éclairer. Alléluia. Or, c'est le contraire que cette personne est en train de faire. Alléluia. Parce qu'il veut t'entraîner avec lui. Bien-aimé, si quelqu'un veut nous entraîner, que celui-là nous entraîne pour les bonnes œuvres dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pour les bonnes œuvres. Alléluia. Pas pour les conflits, pas pour les guerres, pas pour les combats qui ne nous conduiront à nulle part. Mais entraînons-nous les uns les autres à pouvoir obéir et agir conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole de réconciliation, l'avons-nous en nous aujourd'hui? Ecclésiaste 7, verset 20. Alléluia. Ecclésiaste 7, verset 20. Comme toi, tu condamnes les autres. Lisons Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. Ecclésiaste 7, verset 20. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alléluia. Il n'y a point d'homme qui suit la terre, point de juste sur la terre qui ne pêche point. Alléluia. Alléluia. Il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Alléluia. Bien-aimé, tu peux juger ton frère, tu peux juger ta sœur, mais penses-tu à toi-même? As-tu une fois pensé à toi-même de la vie que toi tu mènes? Sais-tu le nombre de péchés que toi tu commets chaque jour? Alléluia. Le sais-tu? Sais-tu d'où toi-même tu viens? Alléluia. Peux-tu dire que si ce n'était le Seigneur Jésus-Christ, je serais en enfer actuellement? C'est pas lui qui est venu te sauver, te pardonner. Ne peux-tu pas pardonner à ton prochain? Ne peux-tu pas aimer ton prochain? Alléluia. Combien de fois ta sœur t'a offensé? Combien de fois ton frère t'a offensé? Alléluia. Et tu l'as mis en prison dans ton cœur. Alléluia. Peux-tu être enlevé si aujourd'hui la trompette sonnait? Peux-tu aller au ciel si le Seigneur revenait aujourd'hui? Peux-tu aller au ciel si tu mourrais aujourd'hui? Peux-tu aller au ciel avec ce rancune
mon frère, ma soeur, ne peux-tu pas pardonner? Ne peux-tu pas aimer celui qui t'a offensé? Comme la Bible nous l'a tant dit dans les versets précités, ne peux-tu pas le faire? Dieu t'a pardonné. Dieu t'a aimé. Ne peux-tu pas le rendre de retour à ton prochain? Alléluia. Oh, faisons-le. Faisons-le. Si nous le faisons, alors certainement nous sommes de Dieu. Mais si nous refusons de le faire, alors nous ne sommes pas de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si nous lisons Éphésiens 1, verset 3 à 4. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Éphésiens 1, verset à 4. Éphésiens 1, verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu, notre puissant Dieu Saint-Esprit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Comme je viens de le dire, alléluia. Avant d'aller au ciel, il faut que tu sois déjà connu par Dieu. C'est pas quelque chose qu'on prépare sur cette terre. Alléluia. C'est pas quelque chose qui vient de tombola ou bien du jeu de hasard ou bien de quelque chose dont l'homme doit se battre et mettre les efforts pour pouvoir aboutir au salut. Non. Ça se donne depuis le ciel. Alléluia. Jean 5, verset 21. Dieu donne la vie à qui il veut. Pas comme toi tu le veux. C'est certain. Alléluia. Romains 9, verset 13 à 15. Alléluia. Dieu a choisi Jacob et a haï Esaü. Que diras-tu donc? Alléluia. Que peux-tu dire? Ils sont des jumeaux. Alléluia. Imaginez que vous avez des jumeaux et que on va aimer un et haïr l'autre. Mais ce sont des jumeaux. Mais ils aiment l'un et haïr l'autre. Qu'avons-nous à dire à Dieu? Alléluia. Il sait pourquoi il a aimé Jacob. Il sait pourquoi il a haï Esaü. Bien-aimé, l'amour de Dieu envers telle ou telle personne ne peut pas nous étonner. Parce que s'il a aimé Jacob, il a haï Esaü. Il sait pourquoi il l'a fait. Regardons Esaü. Esaü a commencé à vendre son tendresse. Mais il savait très bien que c'est quelque chose qui est précieux de la généalogie des Israélites. Il savait très bien que l'affaire de premier-né, l'affaire d'aînesse est très capitale. Et lui commence déjà à vendre ça. Imaginez si c'était Esaü qui était à la place de Jacob. Pensez-vous qu'il va faire du combat avec Dieu et jusqu'à ce que Dieu lui donne le nom d'Israël? Alléluia. Non, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Alléluia. C'est un homme de désordre. Est-ce que je peux le dire? Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Alors, bien-aimés, soyons sérieux. Dieu lui voit, il sonde le cœur. Dieu connaît l'avenir. Dieu savait ce que Esaü allait faire. Pourtant qu'il avait le titre d'aînesse, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il était. Chez nous les hommes, il n'y a pas d'exception. Mais chez Dieu, Dieu a des exceptions. Ce n'est pas parce qu'il a été toujours comme ça que ça doit être comme ça. Alléluia. Non, 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 non. Dieu n'est pas un homme. Si Dieu était un homme, il allait laisser Isaac bénir Esaü. Alléluia. Mais Dieu ne l'a pas fait. Il allait laisser Esaü être béni. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il est un Dieu, il connaît la fin même avant le début. Bien-aimés, nous devons donner gloire à Dieu pour les choses qu'il a glorifiées. Alléluia. Nous devons remercier Dieu pour la vie de ses uns. Nous devons remercier Dieu pour toutes choses qu'il fait dans nos vies. Nous devons remercier Dieu pour les grands combats qu'il est en train de faire pour ses appelés. Nous devons remercier Dieu pour toute grande chose qu'il est en train de faire pour nous. Et nous devons demander à Dieu de nous donner son amour, l'amour qu'il a auprès de lui, afin que nous puissions nous aimer les uns et les autres et chercher la paix entre nous. La paix, c'est nécessaire. Alléluia. S'il y a la paix entre nous, s'il y a la paix entre nous, si tu ne cherches pas ma mort, si c'est quelque chose qu'on doit comprendre et la parole de Dieu est là, pourquoi ne pas comprendre la chose et agir, aller en avant. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à nous remplir de cette paix. Lisons Jacques 4, verset 11 à 12. Jacques 4, verset 11 à 12. Je ne vais pas vous prendre le temps. C'est un verset biblique. Je vais vous les lire. Je vais vous les citer. Vous allez les lire chez vous. Alléluia. Jacques chapitre 4, verset 11 à 12.
Jacques 4, versets 11 à 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Saint Jésus-Christ. Ne parle point mal les uns des autres. Frère, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Alléluia. Je vous ai donné ce verset dès le début. Alléluia. Jacques 3, verset 15 à 18. Alléluia. Lisons aussi Jean 6, verset 37. Actes 5, 38 à 39. Alléluia. Les gens ont tout dit, alléluia, concernant le Père des Nations. Alléluia. Les gens ont tout dit le concernant. Il était arrivé au moment où le Père des Nations était en prison. Il avait quelqu'un qui a dit que Dieu lui a montré le ciel et l'enfer, qui était venu et a remis une lettre pour lui dire, alléluia. Il a remis une lettre à quelqu'un, parce que je ne veux pas appeler le nom de qui que ce soit dans cette vidéo. Et a remis la lettre à un frère. Et lui a dit que Dieu l'a envoyé et lui a remis cette lettre pour lui donner afin qu'il puisse remettre la lettre au Père des Nations. Alléluia. J'appelle seulement le nom du Père des Nations dans cette vidéo. Et que c'est Dieu qui lui a envoyé la lettre. Imaginons ce que cette personne a écrit dans la lettre. Et lisons cette lettre pour voir si tout ce qui est dans la lettre est en conformité avec la parole de Dieu. Non. Ce qui est dans la lettre est contre la parole de Dieu. Toi, tu te dis... avoir visité le ciel et l'enfer, que Dieu a fait l'expérience avec toi. Toi qui as vu l'enfer et le ciel, peux-tu encore aimer voir quelqu'un aller en enfer? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être un ambassadeur de paix, quelqu'un qui doit pouvoir à chercher à installer ou bien à introduire la paix parmi le peuple de Dieu. Mais c'est toi plutôt qui dis le contraire de la loi, qui dis le contraire de la paix. Alors, tu proclames et tu déclares la guerre. Alléluia. C'est pas bon. Alors, bien-aimé, nous devons nous repentir si tu es dans cet état ou si tu es parmi de pareilles personnes qui font de pareilles choses, qui créent la guerre, qui chantent la guerre comme nous l'attendons aujourd'hui sur les médias et qui crient la guerre, et guerre, 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 comme les Américains le disent, comme les Anglais le disent, comme les Européens le disent, guerre, 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 en voyant des chats, en voyant des avions, en voyant des armes, hey, guerre, 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 guerre. Et ils ne veulent pas la paix, bien-aimé, ne soyons pas dans cet état de formateur de guerre, dans cet état de procureur de guerre, mais procurons plutôt la paix, cherchons la paix avec tous, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Alors ne sois pas comme les Américains, comme les Européens, comme les Otaniens qui crient la guerre et qui envoient les chars en Ukraine pour tuer les gens. Savez-vous ce que ces chars vont faire? Alors tout ce que vous écrivez au travers les mails, au travers les SMS, tout ce que vous envoyez, tout ce que vous disiez aux gens de bouche à bouche, tout ce que vous disiez par téléphone, bien aimé, cherchez à voir si ces choses procurent la paix. Si ces choses ne procurent pas la paix, vous perdez alors le temps. Alors, laissez les gens progresser. Si vous ne voulez pas progresser, laissez-les progresser. Mais si vous ne voulez même pas progresser, Dieu pourvoira, Dieu le poussera à pouvoir progresser. Bien aimé, lisons Jean 10, verset 28 à 29. Je vais finir avec vous. Nous allons bientôt clôturer Jean 10, 28 à 29. 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 J'ai la parole du nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Bien-aimé, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez et tout ce que vous faites, le Seigneur Jésus-Christ déclare que personne ne peut ravir ses enfants de sa main. Le Père qui les a donnés, personne ne les ravira de sa main. Quoi qu'il arrivera, il passera par tous les moyens pour les protéger, car ils sont ses privilégiés. Alors, je pense que toi, enfant de Dieu, ne rentre pas dans ces cris de guerre. Alléluia, dans ces cris de guerre. Ne rentre pas dans ces cris de guerre. Sinon, tu te feras du mal. Tu mourras si tu fais compagnie avec de telles personnes. Un roi, chapitre 11, verset 26 à 40. Un roi, 11, verset 26 à 40. Et un roi, 14, verset 7 à 9. Un roi, 11, 26 à 40. Un roi, 14, 7 à 9.
Et Jean 6, verset 44. Jean 6, verset 44. Jean 6, 44. Lisons Jean 6, 44. Après avoir lu 1 roi, 11, verset 40, 1 roi, 14, 7 à 9, lisons Jean 6, 44. Jean 6, 44. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de lui. Celui-là a vu le Père. Alléluia. Lisons 2 Pierre 3, 8 à 9. 2 Pierre 3, 8 à 9. 2 Pierre 3, 8 à 9. Alléluia. Des fois, nous sommes pressés de voir les choses de Dieu s'accomplir. Ou bien, des fois, il nous est un peu difficile de lire les algorithmes de Dieu. Et parfois, nous disons, ça n'est pas bon. Alléluia. 2 Pierre 3. 2 Pierre. Des fois, on dit que non, ça, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Dieu est en retard. Non, Dieu s'est trompé. C'est ça. Est-ce que c'est Dieu qui a... c'est pas clair. Ça, hey. 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre. 2 Pierre 3, 8, 9. 2 Pierre 3, 8 et 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas l'ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai, parce que ceux qui nous ont précédés aussi ont reçu aussi certaines promesses de la part de Dieu. Mais qui, avec le temps, commençait à dire, mais c'est pas ça, c'est pas Dieu qui a dit ça. Non, c'est pas ça, c'est pas bien. Si nous nous souvenons un peu de ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit aux Israélites que demain, que Dieu va les délivrer, qu'ils vont partir demain. Il leur a dit demain. Mais ce demain n'a pas été compris par les Israélites. Alors ici, la Bible nous dit que 1000 ans chez Dieu égale à, comme un an chez nous, et un an chez nous est égal à comme 1000 ans. Il y avait un moment, la mère de la nation avait eu un rêve, donc Dieu lui a dit qu'il va lui donner une somme, une grande somme. Alléluia. Que Dieu va lui donner une grande somme. Et la mère de la nation aussi comptait les jours. Je pense que c'est dans 5 jours que Dieu lui a dit que dans 5 jours, il va lui donner une grande somme. La mère de la nation a commencé à compter les dates. Jusqu'à ce que les 5 jours ne fussent accomplis, la mère de la nation n'a pas trouvé l'argent. Et elle va dire, les 5 jours sont passés, mais où est la promesse de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, Dieu a ses formules, Dieu a ses phrases, Dieu a une manière de dire ces choses, Dieu sait ce qu'il fait, Dieu sait comment compter les gens, Dieu connaît la valeur des chiffres, Dieu sait ce qui est ça. Un chez Dieu, Dieu sait ce que ça signifie, mais chez toi, l'homme, nous sommes limités. Nous devons seulement attendre ce que Dieu a promis pour nous. Et ce qu'il a promis, certainement, il le fera, parce qu'il n'est pas un Dieu qui ment. Si nous allons lire Ésaïe 55, verset 8 à 9, Ésaïe 55, verset 8 à 9. J'ai la parole de Dieu en notre puissance. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre Dieu. Nous devons savoir qu'il est Dieu et que c'est parce que nous voyons, c'est pas la manière dont nous concluons les choses, nous analysons les choses. Dieu n'est pas un chroniqueur, non, il n'est pas un rédacteur en chef, mais il est Dieu Tout-Puissant. Et quand nous analysons les choses et nous leur donnons des valeurs absolues, que après ça il n'a plus rien, il y a sans signe, il y a ça, pour Dieu, comme il est ouvert et fermé à l'infini, il est illimité, nous sommes limités. Et
Parfois, Dieu lui commence là où nous avons l'affaire. Nous sommes tellement limités. Alors, ce que nous devons faire, c'est de croire à ce que Dieu nous a dit et de vivre en conformité avec sa parole afin que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Nous devons avoir la foi, alléluia, sans laquelle personne ne peut plaire à Dieu. Romains 11, verset 34. Nous allons lire Romains 11, 34 et conclure. Alléluia. Alléluia. Romains 11, 34. Ça nous parle des pensées de Dieu. Alléluia. Qui connaît ces pensées? Romains 11, 34. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Romains 11, 34. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Bien-aimés, nous ne pouvons pas conseiller le Seigneur. Nous ne pouvons pas déterminer ou bien lire ses pensées comme le font les sorciers, comme le font les divins. On ne peut pas le faire. Qui peut connaître ses pensées? Qui peut connaître les désirs de Dieu? Alléluia! Qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? On ne peut pas le conseiller. On ne peut pas le dire ce qu'il doit faire. Bien-aimé, tu peux désirer avoir tel enfant, tel nombre d'enfants, mais Dieu a le dernier, tu ne peux pas le conseiller. Il peut dire, bon, c'est 20 enfants que tu dois avoir. Tu peux le dire, bon, mon premier fils, moi, je vais avoir 2 garçons, 5 jeunes filles. Ben, bien-aimé, tu ne peux pas le conseiller. Et tu verras que tous tes enfants que tu auras seront tous des garçons, bien, seront toutes les filles. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas écouté tes prières. Non. C'est parce qu'il est Dieu, c'est parce qu'il a le dernier mot, c'est parce qu'il lui fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que toi tu veux. Il ne fait jamais ce que nous voulons. Nous ne pouvons jamais le conseiller. Nous ne pouvons jamais le dire ce qu'il doit faire. Mais nous devons faire ce qu'il dit. Il nous dit. Nous devons faire ce qu'il nous dit de faire. Alors, bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Que la grâce, le bonheur, la paix, l'amour, la lumière, la justice, la puissance, la joie du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au siècle des siècles. Et que Dieu nous aide à pouvoir persévérer et à aller de l'avant. Je m'excuse si j'ai offensé quelqu'un dans ce message. Je vous demande pardon si certains propos ont blessé certaines personnes. Et je vous demande pardon. Et dans l'humilité, je dis ceci, je ne suis pas là pour offenser, pour insulter quelqu'un ou bien pour dénigrer quelqu'un. Mais nous devons nous repentir. Nous devons avoir en nous l'amour total en nous. Alors, si j'ai offensé quelqu'un parmi vous, alors pardonne-moi, que le Seigneur Jésus-Christ nous garde tous. Nous allons prier. Éternel des amens, je te remercie infiniment pour ce temps que tu nous as encore donné, de te tenir devant toi et de recevoir de toi et de te donner de retour. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné. Seigneur, j'ai partagé ce message avec tes enfants dans le monde entier. L'amour et le pardon, Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à persévérer malgré tout ce qui se passera. Aide-nous à ne pas suivre, Seigneur, le train de ce monde. Aide-nous à ne pas s'asseoir au milieu de mon corps comme Psaume chapitre 1, verset 1 à 4 nous le dit, mais à prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Je bénis ton Saint-Nom, car ta parole est vie. Je prie à ce que ce message puisse toucher quelqu'un, à ramener quelqu'un dans la bergerie, Seigneur. Que tous qui sont partis reviennent. C'est-à-dire que tes enfants reviennent. Ceux qui n'ont pas péché contre le Saint-Esprit reviennent. Et que ton vent, alléluia, enlève au milieu de nous tous ceux qui sont les étrangers, tous ceux qui sont au milieu de nous, tous ceux qui sont là pour détruire, tous ceux qui sont là pour conduire ton peuple à la perdition, tous ceux qui sont là pour décevoir tes enfants, les ramassistes qui sont au milieu de nous. Seigneur, que ton vent puissant les conduit, Seigneur, là où tu veux les amener, Seigneur. Sois glorifié, sois exalté, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour ta paix que tu as semé au milieu de nous, pour ton amour que tu as déversé au milieu de nous, pour le lien, Seigneur, indélébile que tu as mis entre tes enfants, afin que nous puissions être ensemble et te servir. Merci parce que tu l'as fait. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 amen. Shalom, 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 shalom à vous tous. Say.
Docteur Esweni a frappé Omega. Alpha, Ple Omega. Alpha, Ple Omega. Bela Esweni a frappé Omega. Apeto Esweni a frappé Omega.
Si, si, ya mamá, hablé de lo, voy a nutrir la vida.